Un homme de 29 ans a été placé en garde à vue après avoir été arrêté par l'équipe de sécurité des Sussex. Seul suspect aurait été accusé de harcèlement criminel. Cette histoire est un écho de ce qui s'est passé en 2020. Kevin Garcia Valdovinos, harceleur présumé, a été arrêté devant le manoir du prince Harry et de Meghan Markle en Californie. Un représentant du bureau du shérif du comté de Santa Barbara a déclaré au Télégraphe avoir reçu un appel vers 2h11 du matin, le lundi 15 mai dernier. Si est-il l'équipe de sécurité des Sussex qui aurait alerté les autorités? La sécurité de Harry et Meghan a procédé à l'arrestation citoyenne de Kevin Garcia Valdovinos, 29 ans, et l'a retenu à une entrée de service de la propriété, selon le bureau du shérif. CIST après que des officiers sont arrivés afin de le placer en garde à vue. Selon le Télégraphe, on ignore encore si le prince Harry, 38 ans, Meghan Markle, 41 ans, et leurs enfants, Archie et Lilibet, étaient chez eux au moment de l'incident. Notons que le mardi 16 mai au soir, le duc et la duchesse de Sussex ainsi que Doria Raglan, mère de Meghan Markle, étaient à New York. La duchesse avait notamment le prix 2023 Women of Vision Award de MS Foundation pour son travail de plaidoyer. Il s'agit de la première apparition publique de Meghan Markle depuis le couronnement du roi Charles III. Rappelons qu'elle n'avait pas accompagné son mari au Royaume-Uni pour la cérémonie. Harry et Meghan, les harcèlements se succèdent. Kevin Garcia Valdovinos, originaire de Lake Elsinore, a été inculpé de harcèlement criminel et libéré après avoir payé une caution de 2 500 $, selon Télégraphe. L'arrestation a été le résultat d'une altercation entre l'équipe de sécurité et le suspect, selon TMZ. Une enquête complémentaire du bureau du shérif a permis de déterminer qu'il s'agissait d'un délit de rôdeur et non d'un délit de harcèlement. Cette histoire n'est pas un cas à part. Rappelons qu'en 2020, un homme avait été appréhendé par les autorités après avoir pénétré sur la propriété des Sussex la veille de Noël. Après un avertissement, il est revenu à Noël et a à nouveau été arrêté pour intrusion. À propos de l'auteur Ivanx derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans, ce qu'il a fait du corps dépasse l'entendement. Jérémy Renner au bord des larmes, j'ai décidé de, il revient sur son dramatique accident dans.